Bonne matière. Alors, est-ce que ça me booste aussi? Ah oui, ça va booster, je crois. Mesdames et messieurs, gens et méfants, on se retrouve pour une vidéo Brawl Stars, pour un sneak peek, pour un gameplay du nouveau Brawler. Le voilà, il est beau, il est magnifique, il s'appelle Arcade. Donc, on est sur une version développeur, ça veut dire que tous les chiffres que vous voyez là, ne tenez pas compte de ces 7000 TR. C'est juste que j'ai pas réussi à les enlever, en fait. Mais voilà, du coup, ce nouveau Brawler, il s'appelle Arcade, voilà. Donc, c'est une borne d'arcade, voilà, les jeux vidéo, tout simplement. Et voici les spécificités. 6020 de santé au niveau maximum, bien sûr. 476 de dégâts par rayon, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de rayons, ça me fait penser un petit peu à Pam, donc c'est fort. Franchement, c'est un brawler qui est fort, et son super, il est énorme, ça fait un espèce de rayon comme Pam, mais sauf que ça donne 30% de boost à lui-même et tous ses alliés, c'est assez ouf. Et donc du coup, vous allez voir ça. Enfin, lui-même, je sais pas en fait, j'ai dit peut-être une bêtise. On va regarder, on est parti. Vous allez remarquer qu'en même temps, non, ça n'a rien à voir ça, mais vous, aussi, j'en profite pour vous glisser que le Brawl Ball va devenir permanent, et ça, c'est magnifique. Pour moi, c'est la meilleure nouvelle de cette mise à jour. Et voilà, du coup, vous l'avez vu là, voilà, il est sur le slot numéro 3, ce qui veut dire que le slot numéro 4 va avoir une tournante entre le haste, le braquage, le siège et. Tiens, je vais prendre celle-là, c'est une nouvelle. Le siège braquage et le prime, voilà, trois qui vont tourner sur le siège numéro, sur le slot numéro 4. On est parti, on va tester ce brawler. D'abord on va parler de ça et après on parlera des autres infos de la mise à jour, qui au final, je pensais qu'elle était plus maigre que ça. Je me suis dit elle est un peu bateau. D'abord nouveau brawler, toujours content, 6000 TR, donc seront contents tout le monde. Vous voyez que ça m'est cher, hein, parce que ça m'est. Vous avez vu, quand même, il est cher, non? Regardez, même en auto-shootant, là, c'est... Bon, après, c'est des bots en face, mais quand même. Il met quand même cher. Il a une vitesse de déplacement un peu lente, hein. Ok. Mais par contre, vous savez, tous les rayons qu'il envoie, on en voit pas mal, hein. On peut les prendre, là. Regardez le bord-tabord. On va les mettre cher. Alors, est-ce que ça me booste aussi? Ah oui, ça va booster, je crois. Quoique, je sais pas, les 714, je les avais parce que c'était les deux boîtes. Non, peut-être pas, attendez. Non, je crois que je mets pas du 714, je mets du 571, donc c'est ça. Non, ça me booste aussi, j'ai bien dit, donc j'ai pas dit de bêtises, ça booste de 30%, ça fait 30%, on a fait le calcul là, 571 machin, donc 105, ça a l'air de coller, hein. Ça a l'air de coller, si je rajoute 150 à peu près, on est dans les 700, on va le refaire ici. Alors là, en compte, j'ai 3 boîtes, hein. Oh purée, là j'envoie du pâté, non? Ok, la grosse spam, je suis concentré. En plus, l'effet est magnifique. Attendez, si je peux prendre quelques boîtes, ça peut être drôle, non? Je mets du temps en régène, par contre, non? Ouais, je mets du temps en régène. Mais par contre, il fait mal, hein. Il fait très mal, hein. Donc, il est comme ça. Et il y a un skin que je n'ai pas a priori, mais il y en a un normalement sur lui. Il y a un skin 8 bits classique à 30 gemmes. Et je sais pas comment vous le présenter, en fait. Je crois que je l'ai pas dans ce truc-là. Voilà, je l'ai pas là. Du coup, on peut pas le voir, mais voilà, donc il y a un petit skin mignon. Le lion, alors attendez, oui, alors, Tara, par contre, je peux vous montrer son skin, regardez, magnifique. On peut jouer un petit coup avec, voilà, juste pour qu'on le voie un petit peu d'emblée. Voilà, bleu. Donc il sera pas cher celui de Tara, parce qu'il sera à 500 star points. Donc point star, et d'ailleurs, ces points star, vous allez voir, on va revenir dessus, vous allez en avoir plus facilement, puisqu'on a rajouté des ranks, on était rank 20 maximum à 500 TR, et en fait, il y a des ranks qui vont jusqu'à 35 maintenant. Ça, vous avez pu le voir aussi, il n'y a pas tout qui était faux, mais TR était faux, mais mon rank était pas faux. Il y a des rangs qui montent à plus de 1000 TR, et on va en parler juste après. Donc voilà, vous voyez un petit peu là, voilà, sympathiquement. Par contre, si je veux parler de même temps en jouant, ça va pas être possible pour moi, j'ai besoin de voir mon papier. Donc voilà, juste, voilà, on vous montre un petit peu encore le gameplay de la petite Tara, sympathique. Et après, peut-être on reviendra sur les infos. Hop, 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 voilà, allez, c'est bon. Vous l'avez vu, c'est bon, elle est belle. Ok, ah, on n'a pas vu son... Non, on n'a pas vu son truc, ok, je me suis fait dépop. Pas grave, ok. Donc, elle est là à 500. On a Piper. Ah oui, Piper, faut que je monte Piper. Piper qui a été remodelé, donc poli. Alors, j'aime pas la gueule qu'elle a là, hein, par contre. Hein, là, c'est pas très joli, mais là, par contre, c'est pas mal. Donc ça, c'est la version qu'on connaît. Et là, c'est la version... Bon, ils sont pas foulés. Hein, clairement, limite c'est Photoshop, teinte et saturation, et puis ça donne ça en fait. Je sais pas, là j'ai pas, voilà. Donc celui-là, il a combien 500, pareil, 500 star points. Donc voilà, pas cher, facile à avoir. Donc du coup, pour les filles, elles voudront du rose, et les garçons la garderont bleu, j'en sais rien. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, vous avez la petite Piper rose.
Regardez, je la monte là, ça fait plus joli comme ça. Voilà, petite Piper rose. Ça, on a vu. Alors, il y a des... Donc, le rework de Piper. Il y a des petites animations qui ont changé au niveau de Penny, tout ça. Ça, je vais pas en parler. Enfin, vous verrez, c'est des trucs minoritaires. Il y a des nouvelles maps. Une nouvelle map. Je vous les montre, vite fait. Alors, qu'est-ce qui peut vous intéresser en nouvelle map? Pardon, c'est pas le Brawl Ball. Je sais pas si on a une nouvelle. Attendez, regardez. En chasse croisée... Chassé croisé, ça on l'avait déjà. C'est plutôt qu'un flush royal, je crois qu'on l'avait pas. Voilà, cette map de Razia. Donc voilà, sympathique, normal, ouais, mignonne. Enfin, elle est pas dégueulasse. J'aime pas trop la map avec les trains. Pas mal de nouvelles maps aussi ici, parce que je vois même qu'il y en a une qui a pas son nom en français. Celle-là elle a l'air sympa, je sais pas son nom, Irena elle a l'air cool. Et puis celle-là aussi, Terrari, tout ça, ça existait pas. Comme vous voyez, pareil, le désert rocailleux, je crois qu'on n'avait pas. Piste royale on avait, sommet de désert je crois qu'on avait pas non plus, voilà ça me dit rien du tout, on n'a jamais fait ça d'ailleurs en mode zombie donc ça peut être sympa. Donc quelques maps supplémentaires, donc du coup les ranks ça va jusqu'à 35 quand on atteint les 1250 trophées, donc et du coup il y aura du 400, 500 et 600 star points quand vous faites rang 25, rang 30, rang 35 et voilà. Et donc les resets de trophées vont changer, je vais vous mettre peut-être une image à l'écran. Vous aurez la possibilité aussi en fin de saison d'avoir la possibilité d'acheter une big box pour 500 star points et une méga box pour 1500 star points. Voilà. Là, vous voyez le rang 35 là. Donc, il est tout comme ça. Et du coup, tiens, je vais faire un petit brawl ball en même temps avec. Voilà, comme ça, on revoit un petit peu le personnage. J'en profite donc les trophées. Donc, reset de trophées, c'est un peu compliqué. Il faut que je vous montre aussi une image. J'espère qu'elle va apparaître à l'écran. Attendez, hop, je vais mettre un petit marqueur comme ça. Ça apparaîtra à l'écran. C'est un peu compliqué et. Alors, mon fils me fait remarquer qu'effectivement, ce qui ne le plaît pas à lui dans l'histoire, c'est de se dire que bah, si par exemple il était à 600, je sais pas combien de TR, enfin proche d'un rank 25 par exemple, et qu'il se tape un reset, du coup il doit recommencer pour. Voilà, il lui manquait deux trophées, il doit recommencer, ouais, ça le saoule un peu. Des choses comme ça. Le reset a l'air d'être un peu désavantageux par rapport à avant. Avant, on coupait la poire en deux de tout ce qui dépassait au-dessus de 500. Maintenant, c'est par tranche. Donc, si vous êtes dans la tranche haute et que vous n'avez pas atteint le palier du dessus, bah vous redescendez bas en fait. Et si vous êtes au début du palier, c'est plutôt avantageux. Donc vous voyez ce que je veux dire. Par exemple là, si vous êtes entre 550 et 599, vous redescendez à 525. Donc 550 ça va. Mais par contre 599, ça vous perdez 25 trophées par rapport à avant. Donc il peut y avoir une perte, je dirais entre 25 et 50 trophées par palier par rapport à avant. Voilà. Bon, avec ce que je vous dis, je sais pas, c'est peut-être pour... Je sais pas. Peut-être c'est l'inflation, ce que je vous dis. Voilà. Alors après, il y a de la balance change. Attendez, j'arrive pas. En fait, je voyais que je joue pas. Hein. Enfin, je lis mon truc en même temps, donc je regarde pas trop la partie. Voilà, je meurs. Il y a un buff pour Karl. Il y a du... Donc, l'attaque, elle a passé... L'attaque de base a passé à 8% supplémentaire, rapide. Voilà, donc ça va être fort, hein. Enfin il était un petit peu nerfé mais là il va redevenir fort je pense. Là il y a ce qui m'étonne, c'est Tick aussi va se prendre un buff sympathique de 11%. Voilà, je vais vous montrer aussi voilà son radius, c'est à dire son angle de voilà mine, attaque, mine, explosion, radius by 11%. Donc ça veut dire que bah je sais pas si je comprends bien, je sais pas si c'est 11% de dégâts de plus ou si c'est 11% de plus de largesse de qui touche. Voilà, en tout cas Tick, beaucoup disaient qu'il était déjà fort, du coup il s'est pris un buff. Il y en a qui vont être contents, je sens qu'ils vont me dire mais quelle est la logique de tout ça, je ne sais pas. En tout cas moi je trouvais effectivement pas top au début, finalement après sympathique sans avoir eu à changer. Ils en profitent pas de mon rayon d'action, les copains, enfin les copains, les bots là. Je vais juste marquer un but pour le plaisir. Voilà, tac, bim, juste pour dire, et comme ça prolonge un peu la game. Ok, Brock, pareil, damage par seconde, donc c'est dégâts par seconde, vont être augmentés de 300 à 400. Donc Brock se prend son petit... Voilà, son petit buff. Tout le monde se prend son petit buff, j'ai envie de dire. Qui c'est qui prend un nerf? Voilà, attendez, j'essaie de... Voilà. Alors ça aurait été plus cool, effectivement, si j'étais pas avec des bots, et je vous aurais montré des coéquipiers qui prennent leur 30% de buff en plus avec le... Ouais. Avec mon super, là je me suis pris un coup de Mortis. Ok, super, on peut profiter pour voir la nouvelle animation de Mortis. Voilà, légère, je sais pas si y en a qui ont remarqué. Ok, là on va faire ça. Voilà, vous êtes tous dedans, tout le monde s'en fout. Ça a été dépop en deux secondes. Ok, du coup, je sais pas, on va la perdre de toute façon, non? Non, oui, non, oui, si, ça pourrait être bien parti pour la... Non, bah non, ok, on va jusqu'au bout. Ok, le déplacement est quand même pas ouf. Mais par contre, regardez, ça met quand même beaucoup de dégâts, hein, les 476 par seconde. Et ça déboîte hein, quand même. Hein. Oh là là, regardez Mortis, là, il s'est barré tellement qu'il lui peur. Là, c'est le moment de briller, je pense. Donc je vais faire ça, je vais passer la ligne blanche, et je vais tirer au pif.
Voilà. Normalement, ça passe. Sur un malentendu. Quoi ? Elle est devant la ligne ! C'est quoi ce délire ? Non ! Regardez-moi, c'est épique. Oh ! À une seconde de la fin. À une seconde de la fin, ça passe comme ça. Voilà, le petit... Et c'est vraiment, ils sont tous pouvoir 1. Ah, délire. C'est bon, non, c'est... Non, je sais pas, j'ai l'impression que c'était plus fort que ça. Ok. Donc voilà, pareil, Spike va se prendre un buff de son Star Power, le deuxième, le second from, comment il s'appelle, Fertilize, il va passer de 500 à 600, et il y a un peu de tout, donc si vous voulez, je pense que vous avez tout ça en description, ou alors je pense que peut-être qu'au moment où on sort la vidéo, vous avez peut-être ça dans le jeu directement, pour toutes ces infos-là. En tout cas, le plus important, c'était de vous montrer un petit peu voilà, le brawler, comment il se comporte, le fait que le Brawl Ball, pour moi, il est permanent, ça, pour moi, c'est vraiment, attendez. On se casse d'ici, je vous montre, c'est pas un rêve. Il est bien là, troisième slot, il sera permanent. Voilà. Et donc ça, c'est énorme. Et sinon, bah pour ceux qui sont dans le Brawl Ball, hein, après les autres, je sais pas, ça en fait rien du ni chaud ni froid. Et pas mal de nouvelles maps, sympathiques. Voilà. Bouban Showdown, un peu partout. Et voilà. Et donc tout ça, très bientôt. Et donc du coup, le petit tick à 6000 TR. Du coup, la méga boîte, dépêchez-vous de la voir. Ceux qui l'ont pas à 6000 TR et qui sont proches de la voir. Parce qu'elle va disparaître, cette méga boîte à 6000. Voilà. Ici, là, elle va disparaître. Donc, profitez-en. Prenez la méga boîte. Comme ça, après, vous aurez le brawler en même temps, direct, rétroactivement, pour ceux qui ont déjà atteint les 6000 trophées. Donc, c'est le moment de les atteindre juste avant que ça sorte. C'est plus avantageux pour vous. Voilà, c'était le petit tips du jour. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.